Et les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog dissonde3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Spyro Reignited Trilogy, donc sur PlayStation 4, donc un jeu qui m'a été offert par DigiPhantom, encore une fois, merci. Il faut que t'en fasses deux. Ouais, c'est pareil, j'en ai encore deux à faire, dont une qui est en retard. Et tout ça avant le 15. Alors, du coup, on pouvait pas terminer Hôtel Gelé, mais je crois que là, ah si, je sais ce qu'on va faire. On va descendre. Ouh, il y a un truc pour grimper par là. Mais il me semble que c'était quelque chose en dessous par là. Voilà. On venait de libérer le Yeti et on s'apprêtait à faire son niveau. Parfait. Du coup, genre, The Final Countdown dans la tête, c'est terrible. Je t'aiderai volontiers dans ta quête, Spyro. Mais je dois d'abord m'occuper de mon petit frère. J'ai peur qu'il se soit attiré des ennuis pendant mon absence. Ah, c'est vrai? Ton petit frère. Bon, oulala, oulala, je me sens grand d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est dégueulasse! On s'approche pas de ces gens-là! On le voit plus. Je sais pas si vous avez vu ce qu'il fait. Salut l'ami! Ce serait vraiment bien que tu détruisses ce rocher. À qui tu poses la question, Chokani? C'est l'ami, ce serait vraiment bien que tu détruises ce rocher. Un petit coup bien placé devrait suffire. Ok. Bon, bah on va détruire ce rocher. C'est vrai? Moi je découvre, j'ai pas le souvenir d'avoir déjà fait. Encore des lapins. Par contre, j'ai l'impression que c'est un peu moins varié que Spyro 2 en termes de personnages. J'ai entendu ces grosses brutes te traiter de fillette. Tu ne vas pas les laisser s'en tirer comme ça quand même. Oui, non, mais c'est pas une insulte, fillette. Ah, d'accord. Non mais ok, je comprends, oui je vois le genre. Effectivement, vous ne vivez pas dans le même monde très cher. Allez hop, ok bon. Bonjour. Bonjour. Non, ça suffira pas ça apparemment. Par contre, entre nous, j'ai l'impression qu'il prend trop de place dans la caméra, je me sens pas à l'aise. Attends ce qu'il est parti faire lui. Ok, donc ce monsieur casse les trucs comme si de rien n'était. Quelle brutalité! Ah, je peux aspirer les trucs, attendez. Non, ça marche pas. Va falloir que je comprenne un peu toutes les compétences que j'ai. Non. Si tu utilises ton tourbillon pour envoyer la boule de neige sur le gong, on pourrait faire s'effondrer le plafond. Quand même conceptuel hein, comme principe. Merci pour l'aide, mon petit book. Je sais pas comment on pourrait l'appeler. Merci du conseil, Jokenley. À moi, la journée a été cool. J'ai eu le temps de finir de regarder un film ce matin, comme on a arrêté le live tôt. Puis après, j'ai bossé jusqu'à... Je me suis arrêté, il devait être midi. Donc, c'était plutôt cool. Ça me va. Donnez-moi des joyaux! Hop là, ça c'est fait. Suivant.
Ça se passe plutôt bien. Pour le moment. Par contre, je me sens mais tellement lent. C'est grave, docteur. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Encore un gong, super. Je parie qu'on peut provoquer une avalanche avec lui. J'ai regardé, enfin, j'avais commencé à regarder Polar. Ah, mais bien sûr, je me suis raté pile au moment où. Et ben voilà, c'est pratique ça. Donc oui, j'avais commencé à regarder Polar. C'est dans la nuit de camp à camp. Je sais plus. J'avais pas eu le temps de le terminer. Là, c'était le dimanche. Mais... peut-être qu'il faut essayer de les éteindre, sinon avec le tourbillon. T'as envie de revoir Ready Player One? Mais je savais que je l'ai regardé deux fois la première fois que je l'ai vu. Hein. Pas deux fois, pas l'affilée, mais... j'ai très vite regardé une seconde fois. J'avais beaucoup aimé. Non mais, vous faites tout tomber, les gars. C'est pas cool, ça. Pauvre petit lapin. Il était au mauvais endroit au mauvais moment. Bon appétit, rien. Nuit sud. De quoi? Nuit. Pas tout suivi là. Donc ouais, mais ça va, j'ai passé une bonne journée quand même. J'étais vachement content ce matin. Déjà je suis content parce que j'ai quand même bien avancé dans le boulot. Et quand on passe des heures et des heures à faire des choses, c'est toujours agréable quand on arrive à en terminer quelques-unes. Donc je suis content. Et puis comme je dis, ce matin, du coup, après avoir terminé certaines choses, enfin après avoir terminé, j'ai rien fait. Parce que j'étais vraiment crevé. Et puis après, du coup, je casse ça comment? Ah d'accord, je décale. Point de compétence obtenu, d'accord. Et donc du coup, j'ai terminé ma journée de repos, parce que j'étais censé avoir du repos à la base. Même si j'en avais pas eu. Moonwalk. Ow. Si ça passe, de quoi si ça passe? Tu veux dire, si t'arrives à rentrer... tu sais qui dans le frigo? Enfin, dans le frigo, dans le four, je veux dire. Cannibale. Est-ce qu'on peut tomber un arbre? Ça m'étonnerait de se voir si il décore, ça. Ouais. Non, on peut pas. De toute façon, on peut pas les déplacer comme on veut, où on veut. J'ai envie d'essayer pour voir. Bon, apparemment, ça ne fait rien. J'ai encore envie de jouer à des vieux jeux Play en ce moment, du coup. Je me ferais bien les vieux Tomb Raider. Que je n'ai jamais fini, disons-le. Enfin, si le 2, je l'avais fini. Mais le 1, jamais fini. Le 3, jamais fini. Le 4, jamais fini. Le 5, jamais fini. Le 6, jamais fini. Anniversary, jamais fini. Legends, fini. J'aime que j'avais essayé de le filmer à une époque. Donc, quel est le menu de ce soir, monsieur Adrien? Que nous préparez-vous? Je n'avais point rêvé. Je me sens tellement large dans l'écran avec ce personnage. Et tellement lent comparé à Spyro. Ça me perturbe. J'aimerais bien pouvoir courir ou... mais en fait, je ne peux pas. Et je ne peux pas. Et je reste planté là. Ça m'arrivait à une époque pour Fortnite. On avait fait un ou deux lives dessus, mais j'y jouais surtout en dehors des lives. Là, j'ai plus le temps de jouer en dehors des lives, quasiment. Enfin, quasiment. Je dis quasiment parce que j'ai joué en multi... je crois que c'était samedi soir. Et on a joué à Card Life. En général, quand on joue en multi, c'est plus du 7 Days, ce genre de choses.
mais ça fait ça fait longtemps, mais en fait non, j'ai joué samedi la dernière fois. Et avant, ça remontait à novembre peut-être, je sais plus. Ah yeah, c'est bon, on a fini là. Qu'est-ce qu'il va me dire lui? Merci l'ami, voilà un petit quelque chose pour ta collection de pierres. Mais ce n'est point une pierre, Eric. Donc Rainbow Six, j'ai jamais joué Fortnite, j'ai joué un peu Call of. Call of, je n'apprécie que les premiers, donc ceux qui n'étaient pas encore multi, enfin ou du moins qui jouaient très peu en multi. Salut Arlène, comment vas-tu? Trop pensé à Crash Bandicoot serait. Salut Priscilla aussi, ça va? Endive grillé et bacon. Endive. Ce serait pas des légumes ça? Bah je vais bien, écoute, oui. Retour à l'acte d'histoire. Faudrait que je les chronomètre les temps de chargement. Ils me paraissent tellement longs pour un jeu de cet acabit. C'est possible, Arden. Je me rends pas compte du temps qui passe. Ah, bah tant mieux, ça va bien. Priscilla. Vous êtes arrivé à destination. On s'en va. On va pouvoir refaire le niveau hôtel gelé. Mais avant, j'aimerais bien aller voir ce qu'il y a là-haut. Parce que je suis pas monté. 2 ans déjà. C'est si vieux que ça? Tu sais, écrit comme ça, c'est Celt. Isa. Je sais pas pourquoi j'ai dit failli dire Celt. Ou je l'ai dit, un peu de choses près. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Reviens plus tard. Saleté. Et ça me fait penser, tu sais, c'est un légume, Iti. C'est pas. C'est un légume, virgule. Iti? Genre, Iti, c'est un légume. Enfin, là, ça fait Iti, c'est un légume. Tu vois, je... C'est un légume, d'accord. Je t'ai déjà dit que les légumes, ils essayaient de comploter pour conquérir le monde. Hein. Fais attention. C'est dangereux. Faut pas abuser des légumes. Ah, c'est gentil. Ben, renvoie-les le bonjour dans ce cas-là. Enfin, bonjour à toi. Sympa, j'espère que tu vas bien. Tu te portes bien pour un légume? Ouais, ça va. Tu vois, je suis encore assez pâle, pas trop vert. Plutôt content du résultat, ça me va. Normalement, je dois pouvoir faire demi-tour, oui, c'est ça. Virgule, Iti. Sur le coup, j'ai trouvé ça rigolo. Ah, mais faut que je te crame, toi, là-bas. Attends, je reviens. On va se calmer, oui. C'est pas joli joli hein, c'est juste histoire d'eux parce que... Voilà. Non, non, de la lumière, au secours, je fonds. Voilà, on est tranquille. Coucou Celt, ah bah tiens, quand on parle du loup. C'est ça. Oh merci Celt. Décidément, vous faites des cadeaux en ce moment. Ah, Spiro. Merci, madame. J'ai une nouvelle de mon petit frère. Il semble avoir des problèmes avec un Yeti. On a l'impression qu'il allait manger... Eh, mais on dirait presque le sourire de Claire dans Resident Evil 2. Coucou, K2M. Comment ça, quand on parle du loup? Bah, en fait, en répondant à Isa, je l'ai appelé Celt. Je lui ai dit de me le rendre ou tu lui botteras les fesses. C'est pour ça. Il n'a rien voulu entendre. Ah oui, on dirait le méchant Yeti du 2. Combattre Yeti avec plaisir, oui. Va lui montrer qu'il ne faut pas s'en prendre à nous. Pense à bloquer ses coups hauts et frappe en bas quand il essaie de bloquer. Alors, croix pour un coup au corps, un pour un crochet, pour bloquer en hauteur. Round one. Mais je crois qu'il bloquait automatiquement les... Eh mais comment il m'enchaîne?
Eh mais... Eh mais... Ah mais c'est parce que j'essaie d'utiliser des coulons. Le crochet est un coup très long, d'accord, ok. Et j'essaie d'utiliser les crochets. Tu lui as donné une bonne leçon. Eh mais... C'est pas... Il te fait bugger le Ulti. Non mais à cette heure-ci, c'est pas difficile de me faire bugger. Il est à peine 22h11. Ça fait un peu plus d'une heure que je suis levé. Je suis vraiment pas doué, hein. Yeah! Tu devrais y retourner pour lui botter à nouveau les fesses. Oblige-le à me rendre mon ballon. Cette fois, c'est un match en 3 rounds. Et quand tu auras gagné, ne laisse pas te refiler un œuf. Allez, la fée clochette, là. Vas-y, maintenant que j'ai compris comment ça marche. Ah mais... Vous savez, ça fait penser au petit jeu. C'est quand même un peu... N'importe quoi là. Ça va, hein? C'est ça, exactement, ce livre. C'est à ça que je pensais. C'est, Allez, plus que deux rounds. Est-ce que je peux mettre KO avant? C'est pas juste, il était pas en train de parler quand j'ai tapé que j'ai donné le crochet. Troisième round. Hey, c'est pas mon ballon. C'est encore un fichu œuf. Allez quoi. Mais j'étais un Jetty. Ah bah niveau terminé à 100%. Bah voilà. Ça me plaît. Bon bah on se bat, hein. On n'a plus aucune raison de rester ici. Au revoir les gars. Débrouillez-vous avec vos monstres. On a déjà réglé le problème une fois, voilà, 100%, 100%, mais ça me plaît, ça. C'est beau. Non, c'est pas très compliqué. C'est juste chiant. Coucou Mirage. Comment ça va? Qu'est-ce que ceci? C'est pas encore tout à fait à cela que je pensais, moi. Tu sais, je pensais plutôt comme dans Great Teacher Onizuka GTO. Tu sais, quand la version petit flingue. C'est à ça que ça me fait penser. Tu as passé 20 minutes là-dessus? À ce point-là? Il y a un passage secret ici. Ah bah non, en fait, ça sert à rien. Oh, attendez, on n'est pas passé par là. Donnez-moi ça, je les veux bien, ces machins. Les ruches. Merci, Dame Celt. Je vous étiez en stream, enfin, vu. J'ai reçu le mail qui disait que t'étais en stream cet après-midi. Est-ce que je suis passé à ce machin? Apparemment, oui. Bon, quel niveau allons-nous sélectionner? On avait fait celui-là là-bas, 100%. On va aller voir par là, du coup. Et il y a le niveau usine de feu d'artifice. RE2 en soirée, d'accord. Ça va? Toujours satisfaite de RE2? Ouais, faudrait que j'aime bien que j'y retourne. J'ai envie d'y retourner, en fait. C'est faire le scénario A de Claire, le scénario B de Léon, ou
Juste découvrir le truc sur les... Ah, c'est pas les survivants que ça s'appelle. Isat, t'es aussi réveillé que moi, à mon avis. Je pense qu'il y a un peu les doigts, il y a mon articulation. Et il y a le fait que tu dois pas être très réveillé non plus. Oh. C'est joli ça, mais je peux pas les allumer. Ah, ça monte pas là-dessus, ça grimpe pas. C'est des pierres, c'est des pierres glissantes. Mais ça valait le coup de vérifier. Ah. Dès que t'es en stream. Mais écoute, va savoir. Peut-être le second mail, ça. Cette méchante sorcière a volé les plans de la fusée du professeur. C'est une ficelle, je suis en mission décibel. Secrète pour les retrouver. Endel était censé me retrouver ici, mais voilà. Il n'est nulle part. Tu peux m'aider, s'il te plaît? A volé les plans de la fusée au professeur et je suis en mission secrète. C'est vrai qu'il y avait Endel et Grete. Non, mais attends, attends. Apparemment, je peux pas m'en servir de ça, c'est juste pour le décor. Dommage. Dommage! Non, mais je t'ai tué il y a 2 minutes, toi. Pourquoi tu réapparaîtrais? C'est bien ce que je me dis, il y avait un truc là qui brillait. J'ai eu un doute pendant quelques secondes, mais oui, il y avait bien un truc qui brillait. Ça y est, Red, alors. C'était comment? Dis-le tout. Enfin, pas tout. Mais au moins quand on s'était... Ah, punaise, mais d'où tu sors, toi? J'ai l'impression qu'ils réapparaissent en boucle. Quel est ce monde? Bon, en plus de ça, ils réapparaissent tous, quoi. Je sais pas où je vais. Voilà. Et je fais des bêtises. Noodles. Je me dis que ça va forcément servir à quelque chose tout ça là. Ouh, foufou. Je sais pas à quoi peut servir ce. Comment on appelle ça? Depuis tout à l'heure j'ai un missile dans la bouche, mais faut que j'en fasse quoi? Est-ce qu'il faut que j'explose une porte avec? Est-ce qu'il y a un autre objectif? Est-ce qu'il y a une... Ah bah non, je pense que c'est pour ça. Les feux d'artifice. C'est vrai comme c'est tentant de titiller les gens qui ont pas envie de se faire spoiler des fois. Mais on dira rien, promis on dira rien. En mise à jour pour éviter tout spoiler et je trouve ça pas plus mal. Ben ouais, je trouve ça bien raide. Au final, ça évite que les gens qui ont le jeu à l'avance aillent le spoiler avant la sortie. Je trouve ça cool. Non.
pas oublier de tuer les gens qui manquent là, parce que sinon on va se faire avoir. Est-ce qu'il y a une sorte d'entrée par ici? Machin. Je voulais voir s'il y avait une porte d'entrée là. Oui, il y a une porte d'entrée là, mais j'en viens en plus. Mais quelle quiche! Ninja! Ah ouais, t'es comme ça, toi, tiens. Dans les dents, la bestiole. Faut pas se taper entre eux. Ça serait peut-être mieux. N'empêche, c'est très agréable à jouer, ce Spyro. J'aime bien. J'ai toujours pas fini moi, Prince of Persia. Ah, Peria, ça veut rien dire, Persia. Je crois que tu dois utiliser ce canon pour passer de l'autre côté. Tu n'as qu'à monter à bord. Quant à moi, je dois me vider l'esprit. Ça doit pas être bien compliqué pour toi. Désolé. Pardon. Voilà. Ouais, d'accord, Matrix était déjà sorti à l'époque. Ah oui, d'accord, en fait, c'est juste un moyen de déplacement rapide. Ok. Elle te fait des sauts comme ça. Ça me donnerait presque envie de le revoir, d'ailleurs, tiens, Matrix. À la base, j'étais pas sans... Je pense pas que je voulais le casser, je voulais essayer de le pousser. Pour que ça tombe et que je puisse remonter directement ici sans trop me casser la tête, mais ça va être compliqué. Alors, ici, qu'avons-nous? Merci pour la sauvegarde. Oula, mais il y en a partout! Ils sont partout! Vous avez reçu un sexto. Mais oui. Alors, est-ce que nous avons le premier? Ah, déjà? Mais le premier, le gameplay est très compliqué, hein, de mon point de vue. Enfin, très compliqué. Il n'est pas agréable, en tout cas. Le jeu, l'ambiance du jeu rattrape ce problème. Mais voilà. T'as un canon à côté. Alors, attendez. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le canon. Maintenant que j'y pense. Merci, Arlène. Vaut mieux taper demain, ça va plus vite. Voilà. Au moins deux personnes de faire un truc. Attends. J'ai bien eu pendant mon live au moins deux personnes de faire un truc car sinon. Et en fait, j'ai passé le passage sans aucun souci, c'est vrai. Ah, attendez. Au moins deux personnes de faire un truc. C'est cette partie-là de la phrase que je comprends pas. Il me disait de faire un truc car sinon t'allais galérer et t'as réussi à passer le passage sans souci sans le faire. C'est, je viens de comprendre. Et confiance, oui, crois en moi, que je puisse veiller sur toi. Est-ce que j'étais touché ou pas? Cours! Pardon.
Sexto. Alors, toc toc, il y a eu un petit diamant là-dedans, des caisses. Et mais c'est pour ça qu'il me fallait machin explosif. Est-ce que j'ai toujours dans la bouche ou pas? Bah non, j'ai plus dans la bouche. Parce que je l'ai tiré comme une grosse quiche. Voilà, bravo. Bravo Eti, félicitations, t'as fait de la paille. Est-ce qu'il réapparaît? Il réapparaît. Oh, je suis chanceux. De plus me balader dans bien mes foutues bretelles. Ouais, mais c'est pas d'un carambolage de mots, ça c'est de l'oubli. Il n'y a pas de souci, madame. Ça éternue. Alors, il faut que je fasse péter ce machin. Personne qui tombe du toit? Non, là, je trouve, mais c'est surprenant. On va essayer de récupérer de la vie en même temps. Allez, bouffe-moi ça, toi. Parfait. Bon appétit. Donc, j'avais oublié un joyau juste en dessous. Si c'est pas la honte, ça, quand même. On va aller voir par là-bas. Y'a quoi, ici? Mais il est hors d'atteinte. Tu vas devoir faire le tour et affronter les Rhinoc pour le récupérer. Tiens, le blanc, Andel. Je crois que cette Luciole essayait de... Comment lui, je peux l'avoir? Ouais. Bah ouais, mais c'est pas malin ça. Parce que s'il faut que je tue tout, il faut que je tue tous normalement, donc là c'est pas bon. Comment je puis-je faire pour le tuer lui là-bas? Il y a forcément un moyen. Il faut que je récupère son joyau. Youhou, 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 youhou. Ah bah non, pas youhou. Je crois que c'est bon, je l'ai tout su. Non? Je me trompe? Je ne vois plus personne. De quoi qui a bougé? Pas bonne idée, ouais. Pour sûr, à 100%. C'est la Tolan. T'as dépassé les 100 abos, bah bravo, félicitations. Ah mais ça fait tout le temps ça, c'est pour ça, je te dis, regarde pas trop tes abonnements. Mais c'est pas grave, au moins t'as réussi à les atteindre une fois 100, c'est déjà bien. Ah, oh, raté. On va en profiter pour aller éliminer l'autre d'abord, d'accord? Histoire que ce soit fait comme ça. Je suis fou la trouille. Mais effectivement, pour que tu puisses me prévoir, je te le dis. Je te le dirai. Mais attends un peu, parce que si jamais on trouve une sixième personne, au pire. Ce qui m'étonnerait beaucoup, mais bon. Tu sors, toi.
Tiens. D'aller dingue. Je vais aller voir si en face. Je vous ai vu les gars. Même sans vous voir, je vous ai senti. On se 1-1-1. Bah écoute, c'est bien Tolan, fais-toi plaisir, l'important c'est ça. Comme je te dis. Et c'est pas grave pour les 100 abonnés qui descendent, qui remontent, tu t'en fous. Tant que toi tu t'amuses, c'est l'important. Est-ce qu'il y a... Donc toi je t'aime pas là par exemple, tu vois. Bon. Pour que tu puisses prévoir tes dépenses. Alors, toc, toc. Voilà. Ensuite, on va aller par où nous? Il n'y a pas l'autre endroit à regarder ici. Il semblerait que je n'ai pas oublié d'éléments. Je suis pas parti du côté où je voulais. Pas grave. Ah, c'était d'accord avec moi. Tu vois, ça veut dire que j'ai raison. Tout simplement. Donc comme je te dis, t'occupe pas de ça tout de suite. Comme ça, je te le dis en mars. Et en mars, t'as le temps que tu veux. Donc ça peut être avril, mai ou autre. Comme bon te semble. Moi, pour l'instant, de ce côté-là, ça va. Toc, toc. Bonjour. Bonjour. Donc c'est bon, j'ai eu l'œuf, on est d'accord. Donc si je fais comme ça, il me dit de sortir. Ok, c'est bon, ça va. Car les tortues ninja. Tortue ninja, tortue ninja, tortue ninja, tortue ninja. Je sais plus les paroles. Ah ça je sais pas madame. Utiliser les plans pour construire sa propre fusée. Il faut qu'on la détruise. Suis-moi. Chut, Red. T'inquiète, madame. Eh mais ça, on l'a pas, celui-ci. Ils viennent d'envoyer un œuf dans l'espace quand même. Non. Hé, hey, regarde ce que j'ai trouvé dans la fusée. Il devait vouloir l'envoyer en orbite. Dans la fusée. Entre nous, dans la fusée, ça me paraît bizarre parce qu'il était à l'extérieur. Dis-lui que je suis reparti au lac du soir pour finir de travailler sur la fusée du professeur. Ok. D'accord que ça ressemblait trop à un bouton pour être... pour ne pas être cliqué ce truc. Ah, il y a quelque chose en dessous là. Ah, mais justement c'est le truc de la fusée. Et il y a un personnage. Qui est ce personnage? Cher Spyro, ou quel que soit ton nom, abandonne, je tiens le singe, je ne le rendrai pas. Amitié à la sorcière. Quand je pense que nous sommes de braves et honnêtes gens, et qu'on se fait kidnapper dans tous les sens, c'est quoi ce travail? J'ai envie d'aller voir s'il y a là-bas aussi. Alors, est-ce que ça va être du skate? Hop là, y'a rien de ce côté-là. Est-ce que l'œuf est tombé par là-bas? Non, donc l'œuf, c'est bon, on l'a eu. Alors, non, c'est un truc de bonus, méchant dragon, QG ninja. Ah oui, je suis qu'à 56% sur 600 joyeux, on va aller loin. T'as plus de crêpes. Non. C'est pas grave, Atolan. Oh oh, tu vas devoir utiliser ce bonus de combo pour éliminer ces dragons de feu. Il te permet d'utiliser super vol et super flamme en même temps.
l'impression que ça pique un peu quand même, non? Ah mais ils sont super costauds en fait, j'avais pas compris qu'ils étaient si costauds moi. Wouhou! Bonus! Mais moi tout ce que je voulais c'était te tirer dessus. Il est trop rapide, ils sont jolis quand même les dragons. Ah mais j'ai un fini en fait. Je n'avais pas compris ça. Ouh, c'est pas passé loin là. Qu'on se le dise, ce n'est pas passé loin. Mais viens là, toi, t'es où? Oh, j'étais dessus. Trop fort. Ah oui, ils sont comme les snakes. En fait. Attendez, je vous suis les gars, je vous suis. En fait, ça va pas servir à grand chose. Et j'ai l'oreille qui me gratte, au secours! Ah mais récupère de la vie en plus, il récupère de la vie. Alors attendez, ça me gratte trop l'oreille. Si j'ai le courage, j'en ferai mes dés mini, c'est plus rapide. Des crêpes? Je sais pas. La pizza a gagné. Non, c'est vrai? Mais comment c'est possible? Aïe! Il faut rien qu'à me taper dessus, c'est méchant! Disons-le, j'étais presque, hein. 1-1-1 que j'étais presque. Comment c'est chaud à viser, n'empêche! Je sais pas comment ils font pour récupérer de la vie à chaque fois, mais c'est long, hein. Ah, j'y suis presque pour lui là-bas. En plus, il y a plus vite. Ah, il est où? Il est où? Au secours, je le vois plus. On va me laisser récupérer ma vie, oui. Viens là, toi. Viens là. Viens là. Je sais que tu vas sortir là-bas. Et en plus, ça repousse. Pas toi que je voulais. Mais il récupère de la vie, il est embêtant lui. Oh, ils sont longs. Mais viens là. Oh là là, j'en reviens pas, il est où? Il est où, copain? Là-bas. On va essayer d'en avoir au moins, ce serait déjà cool. Droit de me dire, je me sens très nul là. Est-ce que
que je l'ai ou pas? Non! Non, il reste qu'un tout petit morceau! Est-ce que je l'ai ou pas? Toujours pas? Toujours pas. Oh, j'en ai eu un! Ça y est! Miracle de la création! J'en ai eu un. Voilà, on va récupérer un petit peu de vie quand même, hein, parce qu'on le vaut bien. Et maintenant, on va s'occuper du deuxième. On va rester calme, et on va l'avoir. Parce qu'on est des professionnels! Qu'est-ce que je disais déjà? Heureusement qu'il y a de la vie qui traîne dans le coin, parce que sinon, c'est quand même bien dans la mouise. C'est là que l'autre y réapparaît, de nulle part. Je suis ton pire cauchemar! Le dragon incandescent! Non mais... Ah... Monsieur, faites des efforts! Laissez-vous tuer, on voit bien que vous en avez envie! Oulala, ça sent pas bon! Donc qu'est-ce qu'on fait quand ça sent pas bon? On récupère un petit peu de vie! Parce qu'on le vaut bien! Non mais ça, c'est pas prévu comme ça! Wouh! Je t'aurai un jour, je t'aurai! Je pense qu'une fois qu'on a appris leur pattern, ça va mieux. Quand même. Mais qu'est-ce que t'es schtroumpf, toi? Non. T'es passé où ensuite? Viens là, faut que je te tue, tu le sais en plus qu'il faut que je te tue. C'est laborieux, hein, qu'on se le dise. C'est un peu beaucoup laborieux. Ils font rien qu'à me tirer dessus, ils sont méchants. J'arrive pas à le toucher. C'est pas honteux, ça aussi. C'est l'alarme Sinki. Alors... T'es où, toi? Non. On est des professionnels, comment ça? Reboing, Adrien. J'ai raté plein de messages du coup. Pas vraiment, pas souvent. Twitch a essayé de fonctionner, bah c'est bien. Cache la rajoute, Isa. Ah! Viens là. Mais... Oh, cette technique, cette fin est absolument merveilleuse que je viens de faire. Mesdames et messieurs, attention. Allez, mais arrête de courir, tu vois bien que ça... Ça va te causer que des ennuis de faire ça. Oh, cette maîtrise absolue du déplacement du dragon. Aïe. Dit-il avant de se louper copieusement. Bon, il est où maintenant? Je t'ai vu, t'es là. Tu m'échapperas pas, mais j'ai préféré ne pas le dire en sachant que j'allais me louper. Et j'ai eu raison. M'arrête de récupérer de la vie. Laisse-toi mourir dignement. Ah, c'est pas un dragon digne de ce nom, ça. Hein. Oh, mais on est tellement lent par rapport à eux. Yes. Yes! Tiens, prends ça. Je l'ai pêché dans la lave. Il fait une aile. Tiens, prends un. Hein. Merci. Double dragon. Trophée obtenu.
Ah, parce que j'ai vaincu le dragon, d'accord. Ah oui, mais bien sûr. Pourquoi n'y ai-je point pensé plus tôt? C'est tellement logique. Tiens, je suis désolé, toi, l'insecte, mais faut que tu prennes cher pour que je puisse récupérer de la vie. Toi, je te laisse tranquille, parce que du coup, j'ai assez. On descend ici. Voilà, s'il n'y a pas les petites choses que je roubais dans le coin, un rubis, un machin. Pardon. Je viens voir s'il n'y a pas des rubis ou des joyaux qui traînent dans le coin. Non, c'est bon. Là-bas, il y en a encore d'autres. Pardon. Je t'ai pris pour un joyau jaune. Il en reste un là-bas. Là-bas. Là, je l'ai vu. Je crois que maintenant, il m'indique la porte de sortie. Donc, on devrait être tranquille. Voyons voir, on va quand même vérifier. Hein. C'est bien la porte de sortie qu'il indique. Mais il semblerait que ce soit bien ça. 400 moins sur 600. Tu es maudit. Donc ça veut dire que j'oublie des trucs quelque part. Ah non, mais suis-je bête? Ah bah j'en oublie un déjà ici. Et surtout, il y a le niveau avec le singe que je n'ai pour un fait. Donc je ne peux pas terminer ce niveau à 100%. Et oui, mesdames et messieurs, je suis coincé. Sans avoir récupéré le petit singe. Ouais, mais c'était un dragon, on était raciste. Tu vois, c'est un dragon qui vient d'un autre monde. On est plutôt dragon américain, et là, c'est un dragon asiatique, tu comprends, pas la même valeur. Ah non, il m'a dit qu'il y a encore des trucs à récupérer dans le coin, là. On va au moins essayer de terminer. Où est-ce que j'en ai encore oublié? Apparemment par là-bas. Allez, je crois que j'en vois là-bas. Et le prochain, maintenant, il semblerait qu'il soit bel et bien par là. Donc je crois que maintenant, la seule occasion que j'ai, c'est de retourner dans le canon. Et d'aller voir ce qui se passe par là-bas. Oui, Adam. On connaît Rayman. Voilà, je crois que la suite des événements, c'est par là-bas, on peut pas y aller. Ok, c'est bon, on a tout récupéré. On part du principe que les deux heures restantes sont dans le monde supplémentaire avec le singe. Ça va être bien de tirer un peu. Ah. Retour à Lac du Soir. Il faudrait la moitié du temps et le temps de chargement serait plus cool. Bah. Il s'est passé une chose étrange, ma foi. Bon. Déjà, faut qu'on fasse une coupure de rediffusion devant ce superbe navire perdu. Navire pirate qui s'est perdu. C'est parti pour un tour du coup coupure de rediff en espérant que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappestjeux.fr et passez une agréable fin de journée. Allez, prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Du moins, à tout de suite pour le reste du live. Pum 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 p
comme